Et bonjour tout le monde, bienvenue pour l'épisode 70 du Random Legacy Challenge. On retrouve notre petite famille que l'on aime tellement, la famille Miliano, qui commence cette belle journée avec Tom et Joyce qui sont en train de manger. Mais comme vous pouvez voir, notre petite Joyce est encore très triste. Et oui, parce que dans l'épisode précédent, malheureusement, on a perdu Dina. Et franchement, c'était... la première fois que je perdais un animal et ça m'a fait tout bizarre. Du coup, eux aussi sont super tristes, mais j'espère que ça va passer. Et je dis heureusement que dans cette famille, il y a du soutien parce qu'il y a tout le monde qui s'entraide. Tom essaye de remonter le moral à Joyce. Kelly, elle est venue prendre sa petite part. On a papa Danny qui arrive à table. Voilà, c'est une super belle journée qui s'annonce. Et surtout... on a un grand événement pour la journée d'aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Joyce qui va devenir ado. Et alors là, franchement, je pense que je suis pas la seule à être impatiente de voir sa petite tête. Tom, s'il te plaît quand même. Et bien sûr, comme tout passe super vite dans les Sims, surtout en vitesse normale, et c'est aussi l'anniversaire de notre petite Kali, mais pas aujourd'hui, demain. Mais enfin, du coup, certainement dans cet épisode aussi, à moins qu'il se passe beaucoup, beaucoup de choses, mais généralement, j'arrive quand même à gérer 3 journées sur un épisode, donc il y a de grandes chances qu'on découvre aussi cette petite frimousse. Et franchement, j'attends de voir. Bon, c'est bien beau, moi je cause, mais je ne joue pas. Alors forcément, ça n'aide pas. Ma petite Kaylee, alors les enfants sont partis, on va faire rencontrer, se faire des amis quand même, aux deux grands. Elle a quoi? A. Et lui, il a B. Il va quand même faire des amis. On va s'occuper de Kaylee. Kaylee qui a besoin de divertissement, mais aussi Kaylee a besoin de réflexion, de peau et d'imagination. On va peut-être commencer. Moi, je dirais qu'on va commencer par faire un câlin. Qu'est-ce que c'est? C'est bien. En fait, c'est pas du tout ce que je veux augmenter, là, ce que je suis en train de faire. Imagination. Elle peut-être lui parler. Non, c'est pas ça non plus. Non, je pense qu'en fait, il vaut mieux qu'elle joue aux formes, en fait. Voilà, demander de l'aide pour la tour, peut-être aussi. On verra bien. Alors, Audrey, elle est super triste. Et elle me range plus rien, Audrey. Et puis, range-moi tout ça, franchement. Et il y a tout le monde qui a tout sorti, là. Il nous reste quoi, là-dedans? Bon, il reste quelques trucs, mais en fait, déjà, faut cuisiner un gâteau, je crois. Alors, en gâteau, on va faire... un gâteau aux fraises pour les filles. Voilà, ma petite Kali est en train de jouer au cube pendant qu'on a maman qui fait la cuisine derrière. Bon, ça serait un peu plus cool si maman n'était pas en train de râler derrière. Ça serait franchement plus sympa. Et puis elle me fait une de ses têtes. Alors, qu'est-ce qui t'arrive, Audrey? Audrey, et ton gâteau? Mais qu'est-ce que tu fais? Et ton gâteau, il est où? Tu l'as laissé dans le four? Mais Audrey, ça craint vraiment. Le gâteau, il est toujours dans le four. Vas-y! Il me l'a mis où ce gâteau? Audrey, tu fais quoi? Bon, écoutez, alors ça, c'est trop bizarre. Bon, ce coup-ci, je la surveille, hein, parce que je sais pas ce qu'elle me fait. En tout cas, les enfants, ils rencontrent plein de monde. Tom a rencontré Théo à l'école. Joyce a rencontré Lilou. Axel. Théo. Dis donc, ma chérie. Oui, tu peux pas y aller faire ton gâteau, je m'en doute, hein. Il y a un problème. Il y a un gros problème. Reprendre. Je sais, mais qu'est-ce que t'as fait? Voilà, elle m'a fait n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe? Elle m'a bloqué ma cuisinière. Voilà, j'ai été obligée de racheter une cuisinière parce que mademoiselle, elle avait laissé le gâteau dedans et du coup, ça bloquait tout. Attends, j'ai pas le temps. Bon, j'ai entendu Kali qui... Oh non, j'ai entendu Kali qui pleurait. Mais regardez, ma petite Kali a fait le deuil de Dina. Oh, c'est rude. On en est où? Ça, c'est bon. Alors, imagination, lis un livre. Regardez le livre. Maman, tu fais quoi? Elle m'a fait le gâteau, c'est bien. J'ai comme une envie de faire quelque chose.
Je reviens. Et voilà, ça y est, j'ai fini. Alors, je vais vous montrer. Attention. Eh ben, en fait, je me suis dit, quitte à fêter l'anniversaire, qu'il fallait quand même faire un petit truc. Il y en avait marre de plus faire d'anniversaire. Alors, du coup, j'ai été chercher 2-3 petites babioles qu'on a posées, des petits ballons. En plus, je me suis dit, c'est le cagnard, autant profiter de la piscine pour bambin. Et puis, maman va se dépêcher d'aller... Ah, elle peut pas mettre la table. Ça, c'est nul. C'est nul. Moi, je voulais mettre la table. Bon, c'est vraiment trop nul, hein. C'est pas grave. Bon, le gâteau est prêt. Les enfants sont encore à l'école. Et puis, bah, du coup, c'est Kali qui ira organiser son anniversaire. Comme ça, elle pourra inviter les copains qu'elle vient de rencontrer aujourd'hui. Et bah, du coup, on va en profiter. Vu qu'il n'y a personne, on va demander à aller à la piscine à maman. Maman, je voudrais la piscine. Qu'est-ce qui m'empêche? Ah, oui, d'accord, c'est les murs de ma maison. Ah, elle est toute choupie. Ah, ben bien sûr, je l'ai mis à l'envers. Regardez-moi ça, comment c'est trop mignon. Bon, ça aurait été bien si Audrey avait un peu plus la pêche que ça, mais sinon, c'est pas mal, hein. Bon, bah c'est bien, moi je fais des photos, par contre, j'ai pas vu que les enfants étaient rentrés. Ça serait peut-être bien si j'organisais mon événement social. Et ce qui est embêtant, c'est qu'en fait, Joy, ça peut pas le faire. Donc du coup, j'ai demandé à Tom, parce que le problème, c'est que moi, je veux inviter des gens que eux connaissent, enfin des amis, des jeunes. Et si je passe par maman, et ben en fait, j'invite que des personnes que maman connaît. Ok, donc il connaît des filles qu'on va faire venir, ça serait mieux. Alors elle a une touche, c'est pas possible. Théo, Alexandre. Et après, il connaît le Père Noël. Alors, ah, génial. Ouais. Bon, bah, finalement, il connaît pas grand monde. Ok, on va faire ça. On fait venir personne d'autre. Et on va l'organiser directement à la maison. Hein. Ça va être bien. Enfin, je dis ça va être bien. Oui, ça va être bien. Hop. Et toi, ma petite Joy, ce que tu vas faire, tu vas inviter tes copains. Inviter à venir sur le terrain. Alors, où sont tes amis? Enfin, tes amis. C'est vite dit, hein. Oh là là, mais tu connais plein de monde. Ah là, c'est trop dommage qu'on puisse pas... Oh là là, Axel, Théo, Lilou, Nikki. Ah, mince. Il y en a deux qui s'appellent pareil. Ah, ça, c'est... Ça, c'est con, hein. C'est très, très bête. Bon, bah, on va inviter tout ça. Et puis, on va inviter Alexandra Carlton. Là, il va vraiment falloir que je fasse attention quand je rajoute des enfants dans les autres familles. Parce que si je mets tout le monde sous le même nom... Nom et prénom, hein. Oh, oh. Et lui, il est promu. Ah, bah c'est bien. Dani. C'était tout. Je m'attendais à le voir arriver, casquette blanche et tout. Non. Oh bah dis donc, ouais, si vous arrivez à la maison en étant de mauvaise humeur, ça va pas le faire, hein. Ah, faut que je rajoute de la musique quand même. Voilà, j'ai rajouté un petit peu de musique. Oh non. Pff, me fatigue avec leur truc, hein. Donc cache-toi, mets un peu de maquillage, ce n'est pas grave, n'exagère pas. Voilà, c'est très bien. On va allumer et on va mettre une musique de pop. Voilà, on met de la musique de pop. Ma petite Joyce. Ah tiens, Audrey, oh non, mais arrêtez d'être triste. Prends photo ta fille, là, avant qu'elle grandisse. Prends une photo de Joyce. Allez, Joyce, fais-moi un beau sourire. Maman est très, très contente de te... Maman est très, très contente. Quelle tristesse. Génial. Bon, bah, au moins, on aura une photo de Joyce. Mais pas que. Alors, ce qui est dommage, c'est que tu pouvais pas te baisser un chouille. Regardez-moi ça. Elle peut pas, non? En contrebas, comme ça, c'est pas terrible, hein, quand même. Hein. Il était un peu loin, aussi. C'est pas la mieux des mieux. Tant pis. Alors, la bande des ados est en train de s'amuser en dansant. Alors, par contre, bonjour le style, hein. Mais pourquoi pas? Alors que de l'autre côté, les enfants, ils s'éclatent tous sur l'échelle. Enfin, tous, on sait pas trop. Oh, donc ma toute petite, regardez, elle s'éclate avec son jet d'eau. C'est marrant, hein, Kali, hein, de jouer avec l'eau, hein.
Oh, qu'est-ce qu'on s'éclate! Bon, bah si elle n'est pas enrhumée ce soir, je sais pas ce qu'il faut. Hein. On va dire que c'est de l'eau tiède quand même. Ah, j'avais jamais essayé ce truc-là, remplir de bombes à eau. Oh là là, il y a tout le monde qui est dans un état. Tom, tu sens pas bon. Ouais, Tom va vite prendre une douche. J'allais dire une danse. Maintenant que tu as rempli de bombes à eau, qu'est-ce que tu peux faire une bataille avec... Ah, tu peux faire une bataille avec tes copains. Il y a du monde, hein. Oh là là. Mais sois contente. Non, elle n'est pas contente parce qu'en fait, c'est super sale. Parce que les gamins, ils font n'importe quoi. Va nettoyer. Mais t'es triste de tumeur, j'arrive à rien faire de toi. Toi, mon petit homme, je t'ai dit d'aller prendre une douche. T'es en train d'infester... Infecter tout le monde. Théo. Ah oui, tu es un des Théo. Ok. Nous avons qui, là, toi? Oh, tranquille. Un petit... Mickey. Elle trouve pas mal, elle. Comment elle s'appelle? Carlton. Emma Carlton. Toi, après, tu vas discuter avec elle, là. Danser avec Emma. On va la complimenter. On va lui dire... on va faire connaissance avec elle. Oh, bah, Dani, ça va. Dani, c'est clair. Tu danses, d'accord. Bon, j'ai sorti quelques plats parce que ma pauvre petite Kaylee a la faim. Donc, elle va manger. Toi, Audrey, t'as faim aussi. Bah, viens manger avec ta fille. Voilà, prendre une portion. Tom, tu fais toujours connaissance. Allez, on va continuer. Féliciter. En même temps, tu pourrais peut-être faire connaissance avec la demoiselle là. Je suis enthousiasmée. Je sais pas quoi. On peut lui proposer de faire de la balançoire. Pourquoi pas. Oh, la soirée, elle est en train de se terminer. J'arrive à rien faire. Bon, toi, tu t'éclates, tu joues avec tout le monde. Mais j'aimerais bien que tu fasses surtout connaissance avec les petits jeunes hommes. Essaye de faire connaissance. Bon, en tout cas, il s'éclate. Maman, elle mange sur sa balançoire et je ne sais pas du tout où est Kaylee. Bon, Kaylee s'est installée, elle est toute mimi. Bon, elle pue, mais elle est toute mimi. C'est un peu le bazar, hein. C'est vraiment très, très le bazar. Bon, en fait, j'arrête la bataille d'eau parce que je vois que ça s'arrête jamais. Ça aussi, je vais l'arrêter parce que ça s'arrête pas. Bon, on n'aura pas réussi à faire grand-chose parce que c'est super compliqué. Mais par contre, je pense qu'il est temps qu'elle souffle ses bougies. J'essaye de me poser. J'espère que tout le monde est là. Et c'est parti. Allez, attention. Tu vas dans ce sens-là, c'est super. J'étais pas prête. Et c'est parti. En plus, on a la lune en fond d'écran. Allez, souffle tes bougies. Oui. Alors attention, mais vous êtes tous devant là, poussez-vous. Ouh, ouh, oh, t'es mignonne. Oh là là, qu'elle est mignonne. Quoique. Oh là 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 là. Ouh. Ça, je sens que ça peut être bien. C'est quoi, Joyce? Joyce, elle est joyeuse et elle est... Artiste, roi des bêtises. Artiste, c'était peut-être le premier, non? Et donc là, maintenant, elle est roi des bêtises. C'est quoi, roi des bêtises? Oh, c'est dans Déviance! Mais non! Reine de bêtises! Bon, bah... Joyce, peut-être que tu es mignonne, mais tu n'es pas gâtée par les traits que j'ai tirés. C'est heureux. C'est nul. En fait, c'est nul. Ah, attention, je sens... Mais elle est super mimi! Moi, j'adore. Oh, je la trouve trop mimi. J'adore sa petite tête. Oh, elle est chou. Oh, j'aime trop. Elle est trop chou. En plus, avec cette coupe-là, elle est trop mignonne. Oui, je sais, t'as faim. Bah, tiens, mange un gâteau. Hein. Là où on en est, c'est le bazar. Eh ben, c'est bien. Mais je suis super contente. Joyce, ma mimi Joyce, elle est trop mignonne. Bon, alors, bien sûr, ma fête était pourrie. En même temps... J'étais pas là pour faire une fête géniale, j'étais plus là pour salut, à dire au revoir et à continuer à manger comme une gluten. Bon, alors maintenant c'était bien beau, c'était super marrant, je voulais surtout qu'on rencontre du monde. C'est chose faite, mais alors... Oh, ma maison est juste dans un état catastrophique. Elle a une petite bouille toute ronde. Je la trouve trop mignonne. C'est ses yeux que je trouve qu'ils sont jolis, ils sont tout allongés. Non, ouais, ça, je trouve que ça change. C'est sympa, c'est mignon, c'est sympa, c'est marrant.
Bon, est-ce que c'est le bazar dans ma maison? Tom va aux toilettes. Maman, elle continue de nettoyer. Papa, tu es parti te coucher. Alors là, je suis pas d'accord. On nettoie. Il doit y avoir... Non, il n'y a rien. Maman, elle va peut-être préparer... Allez, on va faire des œufs au bacon pour demain matin. Parce que sinon, il n'y aura peut-être plus rien à manger. Oula, elle vient de me sortir une nouvelle tenue. Autant dans la tenue de tout à l'heure, elle était mignonne. Autant là, c'est... Bon, ça va, c'est le cagnard, donc ça va bien avec la saison. C'est assez particulier. Tiens, d'ailleurs, on va en profiter que tu es là pour quand même aller jeter un petit coup d'œil. Bon, déjà, elle est toute maigre. Hein, et effectivement, elle a les yeux super allongés. Oh là, maman, du coup, tu fais peur à côté. Et bah, pourtant, ça vient pas de toi. Mais t'as pris des joues, toi, moi et ma mère. Dani et Audrey, j'avais pas remarqué, mais vous avez vraiment pris un petit coup de vieux, quand même. Hein. Ok, bah écoutez, moi je la trouve très mimi. Déjà, je vais lui laisser complètement cette tenue. Cette coiffure. Bon, c'est assez particulier, en fait, cet ensemble, mais j'aime bien la petite jupe. Et vu que c'est un truc que je mets jamais, eh ben, on va mettre la petite jupe. Voilà. Ça change. Elle est en plus genre comme ça ou genre comme ça. Non, elle va mettre un genre comme ça. Ah, je la trouve trop mimi. Regardez-moi ça. Elle est trop mimi. J'aime beaucoup. Eh ben, je l'aime beaucoup. Eh ben, écoutez, moi, je la trouve vraiment adorable, cette petite Joyce. Elle est trop mignonne. Arrête avec tes batailles de boules. Demain, ça va être l'anniversaire de Kylie. Donc, elle qui va devenir enfant, pour le coup. Et du coup, après, il va falloir que je me choisisse un héritier. Alors, je sais que chez Z m'a demandé si j'allais vous faire participer, en fait, pour choisir l'héritier. C'est vrai que j'hésite beaucoup parce que, d'un côté, je sais que je veux prendre une fille. Et puis, en plus, par rapport aux enregistrements, je ne sais pas trop comment ça va se passer parce que là, il va y avoir 2 semaines de congé. Donc, moi, je prends de l'avance en enregistrant. Et j'aurai peut-être pas vos retours au moment où je devrais enregistrer les épisodes. Et du coup, il risque d'y avoir un couac là-dessus. Alors, je vais peut-être essayer de le faire. Je sais pas, je vais voir comment je m'organise. Mais déjà, faudrait que en plus Kylie devienne ado. Et en fait, même, je me dis, mais c'est mal barré, je peux pas. Parce que Kylie, en fait, elle passera ado après que Joyce soit devenue jeune adulte. Et vu que ceux qui ne sont pas héritiers doivent quitter le foyer juste après être devenus jeune adulte, et ben je vais avoir un couac. Alors, je réfléchis à tout ça et je vois ça plus tard parce que là, franchement, mon épisode va durer une plombe en enregistrement alors que finalement, je vais rien vous présenter au niveau de l'épisode. Donc, je retourne sur la partie et franchement, je réfléchis à tout ça. Papa va vite fait donner un coup de main à Joyce et après, il va vraiment falloir aller se coucher parce qu'il est quand même 1h30 et demain, il y a école, il y a boulot, il y a tout ça et là, c'est le bazar. Bon, Tom se lève pile poil pour aller à l'école. Il n'a pas mangé et elle se lève pile poil aussi pour aller à l'école. Regardez-moi ça, comment elle est trop mimi. Oh, j'adore. T'es trop mignonne, te bouille. Trop mimi. Oh, ma petite Joyce, cette bouillette. Ah, bah aujourd'hui, il fait nuageux, ça va nous changer d'habitude, là, parce qu'on avait vraiment tout le temps du super beau temps. Dani, t'as raison, rattrape-toi. J'ai un peu oublié de nourrir tout le monde hier. Hein. J'ai oublié de nourrir tout le monde. Il y a la petite qui a les fesses collées dans son caca depuis au moins une journée. Et elle sent très mauvais. Papa travaille dans 22 minutes, donc je vais le laisser tranquille. Et puis, bah, je vais m'occuper un peu d'Audrey et de Calice, chose que je devais faire en fait hier et que je n'ai pas du tout fait. Parce que je ne sais pas pourquoi, il m'a pris comme une envie de faire une petite fête. Et du coup, bah, j'ai oublié tout le monde. Et voilà. Bon, maman, je suis heureuse de te retrouver. Et je suis surtout heureuse, enfin, de te voir sourire. Ça me manquait vachement, quand même. Que tu souris. Mais à mon avis, il y en a une qui va beaucoup moins sourire quand elle va se lever. C'est la petite Kylie qui, à mon avis, en a marre d'être sale. Bon, c'est pas grave, maman va vite, voilà, hop, nettoyer. Et ensuite, tu vas nettoyer ta fille après avoir nettoyé les assiettes. 24 heures. Ouh.
Oui, j'ai peut-être oublié un petit truc. Vas-y, voilà. Bon, eh ben écoutez, on va régler les choses tout de suite, on va payer les factures, et puis on va effectivement donner un bain. Donner un bain de mousse à Kylie, s'il te plaît. Va lui donner un bain de mousse, la pauvre. La pauvre, la pauvre. Oh eh, j'ai eu deux fois la même proposition pour les enfants. J'ai répondu deux fois la même chose, tout donné. En fait, Tom, il a eu un gain de performance moyen. Par contre, ma petite Joyce, eh ben, rien du tout. Regardez-moi ça. Elle était toute sale. Voilà, bah profites-en, Kylie, ça va te faire du bien, mais j'ai l'impression qu'elle est encore sale. Va à la salle de sport. Arrêtez, tout de demander 56 000 choses, là. Débrouillez-vous un peu. Bon, bah, je peux vous dire, hein, Kylie, elle est contente. Hein. Kylie, elle est contente et puis elle va aller sur le pot. Apprends-moi à utiliser le pot, tiens. Apprends-moi à utiliser le pot, tu l'as jamais fait. Je me suis toujours débrouillée toute seule, il y en a marre. Aidez-moi. Ou t'aide-moi. Voilà, maman. C'est gentil. Je me sens quand même vachement moins seule. Ma pauvre petite Kylie. Voilà. Maman fait ses raviolis chinois. Et moi, je suis en train de me dire que... comme toujours, j'ai toujours le même dilemme de savoir si ce que j'ai filmé... Parce que j'ai filmé là au moins pendant une heure et demie. Mais en fait, il y a beaucoup de passages que je vais enlever. Puisque j'ai mis le jardin en place ou des choses comme ça où je parle pas forcément. Et à chaque fois, on ne sait jamais ce que ça va donner au montage. Parce qu'il y a des fois, on peut avoir une vidéo de 2 heures et finalement, il ne reste que 20 minutes dessus. Et il y a des fois, on peut avoir une vidéo de 40 minutes et en fait, on va faire un montage de 30 minutes dessus. Donc, je pense que l'épisode va être court. Mais je le dis tout le temps qu'il va être long. Alors, je ne sais pas ce que je vous raconte, mais je vous raconte n'importe quoi. Enfin, tout ça pour dire qu'en fait, même s'il est court, j'ai bien envie que, quand même, quitte à faire même un épisode de 15 minutes, c'est pas grave, mais faire en 2 épisodes. Parce que ça m'embête vraiment qu'on ait en plus la bouille de Kylie enfant aujourd'hui. Et j'ai envie de réserver ça dans l'épisode d'après. Voilà. Alors, je crois que l'anniversaire de ma pitchoune, toute mignonne avec ses 4 dents, eh ben, ça sera pour le prochain épisode. Mais bon, ça ne veut pas dire que c'est fini maintenant, puisque la journée n'est pas finie. Mais je couperai ça avant. Il y a de grandes chances. Voilà. J'avais envie. Oh, bah vous êtes tous les deux embarrassés. Bah, va courir pour te vider l'esprit. Bon, Tom, tu manges les raviolis chinois et ensuite, on fait les devoirs. Hein. Attention, Kylie, tu vas avoir ton point pour devenir une bambine heureuse. Et voilà. Ok, et bah c'est parfait. Maintenant, tu es une grande fille qui tout va bien. Voilà, tu peux faire ce que tu veux. Joyce, tu m'expliqueras pourquoi tu restes sur le palier? Tu peux quand même peut-être rentrer et prendre des restes en regardant la télé. Alors, maman est sortie. Je sens qu'elle est sortie pour danser. Oui, c'est super. Bon, c'est bien, mais il faudrait maintenant que j'enlève les ballons quand même. Hein. Pour le reste, on va peut-être pouvoir laisser. Le gâteau, si ça continue, il va pourrir, mais ça, après, c'est vous qui voyez. Ah, ah oui, bah d'accord. T'es en train de me dire, ah, les deux ensemble. Mais Joyce, elle est toujours en train de faire le glouton, alors c'est moins bien. Je sais pas si j'avais pas déjà une photo d'eux, s'ils étaient en train de faire leur devoir, elle était bambine, il était enfant. Le frère et la sœur, ils sont trop mignons. Ça m'énerve de pas les avoir en photo à chaque fois. Pourquoi on peut pas faire une photo de plusieurs Sims en même temps? Ah mais je suis cruche moi! En fait Tom il peut prendre une photo avec sa sœur. Je vais faire ça après. Papa il est rentré, il a vraiment besoin de divertissement. Bah va te divertir en faisant quoi? Il va danser. Bah va danser, vas-y. Oula! Je sais pas ce qui s'est passé. En fait il a hésité avec la télé, machin. Oh maman elle est venue te dire bonjour! D'accord, mais tu passes devant elle comme ça. Qu'est-ce qui vous arrive? D'accord, elle est partie faire du basket. Vous faites un peu des trucs bizarres. Mais bon... Bon, bah maman... Ah, j'allais dire, maman, maintenant que t'es là, bah prends le courrier. Mais en fait, maman, je sais pas... elle fait des trucs bizarres. Non, elle fait pas du tout des trucs bizarres, maman. C'était quoi ce truc?
Sérieux. Bon, vu que tu t'ennuies et que je voudrais pas que tu reproduises des trucs bizarres comme ça, on va refaire à manger. Sa vie est passionnante, elle passe son temps à faire à manger. Allez, fais-moi un petit poisson. Ah, j'ai demandé à Tom de prendre une photo avec sa sœur, mais sa sœur pue. Ah, ça va être super beau. Allez, prenez votre photo. Oui, on va peut-être mettre un peu de... Bon, ça fera un souvenir. C'est toujours mieux que rien. Après, c'est pas la meilleure des photos, hein. Bon, super. Toi, ma chérie, tu vas aller prendre ta douche. Maman, que tu vas aider ton fils à faire ses devoirs, ainsi que ta fille quand elle va arriver, parce qu'elle aussi, elle va aller faire ses devoirs. Sauf que j'ai totalement zappé qu'il faut absolument qu'on fasse un gâteau. Voilà. Et il est 19h36, ça va être encore un beau bazar d'organisation. Je suis vraiment trop nulle aujourd'hui. Allez, fais-moi un gâteau. Laisse tomber ça. Dani, je sais que tu n'es pas bien, mais tant pis, tu vas aider ton fils à faire ses devoirs. Priorité aux enfants. Ma petite Kylie, où est donc ? Oh, elle est trop mimi. Et je vais plus avoir de bambins. Ça va trop me manquer, moi. Super, j'ai des photos ratées. Non, mais sérieux. J'ai fait que des photos ratées ? C'est vrai, ça ? C'est vraiment vrai de vrai ? Eh bah, écoutez, c'est vrai de vrai. Super, heureusement que je fais des photos, moi. Ça sert vachement. Alors, je vais la garder affichée. Pour me rappeler que je n'ai pas la photo comme je pensais que j'en avais une. Non, poubelle. Voilà, et je garde celle-ci, comme ça j'oublierai pas de la refaire. Maman, c'est super, tu me poses ce gâteau quelque part, voilà, sur la table basse, comme tu as l'habitude de faire à chaque fois. Toujours sur la table basse. Mais tu vas surtout m'ajouter des bougies d'anniversaire. Et là, chose extraordinaire. Je vais vous dire au revoir. Voilà, c'est là-dessus qu'on arrête cet épisode. Surtout, n'hésitez pas à laisser des commentaires, partager, liker si vous avez aimé, à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait, et surtout à revenir pour voir la suite de l'épisode où nous allons découvrir Kylie, enfant. Et je suis trop triste. Je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.